Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur 01net TV à cette heure un petit peu particulière puisque nous sommes en plein cœur de cette journée de lundi. 13h pile, nous sommes en direct depuis Barcelone pour cette première édition du 01 Live, un 01 Live exceptionnel à l'occasion du Mobile World Congress 2016. Jérôme, hola ! Hola François, hola à tous, merci d'être fidèle au rendez-vous 01 Live, même à ces heures un petit peu inhabituelles. C'est l'heure du déjeuner, vous êtes à la cool, hein, vous êtes avec nous. Nous aussi. Et c'est plutôt bien, voilà. Alors, on va essayer dans cette demi-heure de vous faire vivre toutes les annonces qui ont eu lieu en fait depuis hier, parce que le salon a ouvert aujourd'hui, mais la veille, ce sont toutes les grosses conférences de presse. Donc on va passer ça en revue et nous allons parler de Samsung qui a dévoilé un smartphone et une caméra, de LG qui a dévoilé un smartphone et une caméra et un casque. Et d'autres trucs. Et d'autres trucs aussi. On va parler de Huawei, on va parler également de Orange. Et oui, puisque nous sommes sur le stand d'Orange, d'ailleurs on remercie Orange d'être notre partenaire depuis de nombreuses années, à la fois pour ce Mobile World Congress mais aussi pour d'autres événements. Ils nous accueillent ici dans ce studio très cosy et on évoquera avec eux l'arrivée d'un smartphone Orange, brandé Orange en fait, très sympa, on le découvrira tout à l'heure. Et en introduction, on peut dire quand même qu'on vit un super Mobile World Congress. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés. Mmh. C'était un peu tristouné l'année dernière. C'est vrai, et là, c'est vrai. Franchement, c'est pas mal du tout. Oui, on a l'impression qu'il va se passer des choses. Je dis « il va » parce que ça fait quand même qu'une demi-journée que c'est ouvert. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses même au-delà du smartphone. Hein. On va en parler. Puisqu'il se passe, le smartphone reste très important, mais il y a tout un écosystème qui devient de plus en plus riche, et c'est ça qui est intéressant. Et notamment la vidéo 360 degrés qui est quelque chose qui envahit, mais alors, tous les constructeurs. Nos invités, nous avons la chance d'avoir avec nous Stéphane Curtelin. Bonjour. Qui est directeur marketing chez LG France. Merci d'être là Stéphane, on va s'occuper de vous dans un instant, et notamment le fameux LG G5 que nous avons ici en studio. Et Jean-Sébastien Zanqui de la rédaction de Jean-Sébastien.com. Salut Jean-Sébastien. Bonjour. Qui arpente les allées du salon depuis ce matin, qui était présent en conférence de presse hier. Tout à fait. Et avec qui nous allons donc rentrer dans le dur, avec l'un des acteurs majeurs, évidemment comme chaque année, c'est Samsung. Samsung. A fait son show hier pour nous dévoiler, je l'ai dit, un smartphone et d'autres petites choses. Tout à fait, ouais. Donc il y a eu un très gros show d'ailleurs, Samsung, hier soir, qui était assez impressionnant. Ils avaient disposé des casques de réalité virtuelle sur tous les fauteuils. On pouvait voir une partie de la conf en 360. Je ne sais pas combien il y avait de casques de masque Gear VR. En tout cas, il y avait des milliers de sièges, je pense. Il y avait bien 1500 ou 2000 places, donc autant de masques. On peut dire que c'était presque la première conférence de presse en réalité virtuelle. Ah oui, vraiment. La scène, en plus, était centrale avec tout le public autour. Et c'était vraiment impressionnant. Il y a eu la guest star aussi, Mark Zuckerberg, qui est venu parler de réalité virtuelle. Aussi, donc c'était assez impressionnant. Il y a un truc extraordinaire, je ne sais pas si Florian va nous passer. Voilà, cette image, cette photo. Regardez, tout le monde a les casques sur les yeux, donc on ne voit rien. Et Zuckerberg passe dans un total anonymat, personne ne le voit. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est pour ça que ça fait un effet de surprise. Incroyable. D'un coup, on était en train de regarder une démo. Ça, c'est le monde de demain, vous voyez. Voilà. Et il n'y a que Mark Zuckerberg qui, lui, gardera un œil sur tout le monde. Ouais. Voilà. Exactement. Elle est très. Elle est horrible. Elle est bourrée de symboles, cette photo. C'est quand même assez impressionnant. Ouais, ouais. Enfin, cela dit, c'était une belle présentation. Où on a découvert donc le nouveau flagship de Samsung. Voilà, donc même les deux, puisqu'il y a le S7 et le S7 Edge, donc la version avec les bords incurvés. Alors on peut noter qu'il n'y a pas beaucoup de changements de design vraiment incroyables par rapport aux anciennes gammes, puisque le S7 est vraiment comparable au S6. Oui. Le S7 Edge, là il y a un peu plus de changements. Alors il y a toujours les bords incurvés, mais au niveau de la prise en main par exemple, on sent qu'il n'y a plus ces côtés qui étaient un peu tranchants du S6 Edge. Oui, il est plus doux. Il est plus doux, donc vraiment Moi je me suis coupé plusieurs fois. Passe de 5,1 à 5,5 pouces, donc vraiment l'écran devient plus grand, mais malgré tout le téléphone ne change pas beaucoup de taille et par exemple il est plus petit qu'un iPhone 6S Plus qui a un écran de 5,5 pouces, donc c'est vraiment très bien intégré à l'appareil. On sent qu'ils ont trouvé un form factor impeccable et ils le déclinent d'année en année. Et... Tout à fait. On peut voir aussi qu'il y a d'ailleurs le retour, alors c'est toujours du micro USB. Alors ça c'est dingue. Type B, c'est pas le type C. Ouais, parce qu'on verra ça avec Stéphane tout à l'heure. LG est passé tout à USB-C. On lui demandera pourquoi. Ouais, Microsoft l'a fait aussi d'ailleurs. Hein, donc c'est assez étonnant ce choix. Bon, il y a toujours l'acteur d'empreinte digitale. On voit un petit peu l'appareil photo qui lui est passé en 12 mégapixels. Donc on a réduit la définition de l'appareil photo qui était 16 mégapixels sur l'ancien pour avoir des photosites, c'est ce qu'on appelle ceux qui vont capter les petits composants qui vont capter la lumière.
pour recevoir plus de lumière. Donc le capteur est plus lumineux. Après, il faudra voir dans les tests vraiment ce que ça donne en termes de qualité de photo. Mais en tout cas, c'est un pari de la part de Samsung qui est quand même leader sur ce point-là. Le S7, le S6 Edge est vraiment génial en termes de photo. Parmi les nouveautés, il y a ce système d'affichage qu'on appelle Always On. Tout à fait. Que même quand il est éteint, et oui. Il y a des informations qu'on retrouve d'ailleurs sur le G5 de LG. C'est un principe qui commence à généraliser sur les smartphones. Comme les écrans OLED ne sont pas très consommateurs d'énergie, les constructeurs peuvent se permettre de garder une petite partie de l'écran allumé pour afficher l'heure, le calendrier, les rappels de rendez-vous. Mais alors c'est tout bête ce truc là, mais c'est super. Très bien parce qu'en fait on a le téléphone à côté de soi pendant une réunion par exemple, on n'est pas obligé de le manipuler pour voir l'heure qu'il est par exemple. On a les notifications aussi. On jette un coup d'œil, on peut avoir les notifications. Qui s'affiche en dessous, mais ça ne consomme pas énormément de batterie. Voilà, alors Samsung annonce une consommation 5%. De batterie de 1% par heure de la batterie. Donc c'est vraiment pas grand chose. Ouais, ça va faire. Et je crois que chez LG c'est 0,8. Bon, on verra ça avec Stéphane tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne deux secondes sur l'appareil photo parce que ça faisait un moment que Samsung ne rentrait pas en frontal avec Apple. Oui. Lors de conférences de presse, c'est plutôt une spécialité Huawei, ça. C'est vrai. Qui s'amuse à comparer l'iPhone et Huawei, et donc les Mate, etc. Enfin tous les téléphones Huawei. Là, alors franchement, Samsung s'est fait plaisir et a carrément ridiculisé l'appareil photo de l'iPhone 6S Plus. Il y avait un comparatif, ils ont affiché vraiment un comparatif sur les grands écrans. D'un côté, la photo prise avec le Galaxy S7 Edge et de l'autre côté avec l'iPhone 6S Plus. Et effectivement, on voit qu'en termes de luminosité, de piqué d'image, il y a vraiment un monde entre les deux. Un peu quand même après, de évidemment, on peut considérer ça comme la publicité. Hein, Mais tu sais quoi ? Alors, je pense qu'il faut se méfier, évidemment, parce que le labo Zeronet tranchera. Voilà. Mais malgré tout, le Galaxy S6 Edge est le meilleur téléphone. Oui. En matière de photos aujourd'hui, c'est le meilleur. Donc, il est devant vraiment les iPhones qui ont connu un petit pas. Ils ont marqué un petit pas avec les séries S, les 6S. Donc je pense que de ce côté-là, en tout cas, Samsung est très attendu sur la photo. Ouais, ça, c'est sûr. Alors la photo et puis la vidéo. Oui. Et la vidéo, d'un nouveau genre, c'est la fameuse vidéo 360. Voilà, puisqu'en plus des deux Galaxy S7, ils ont aussi dévoilé la Gear 360, qui est une caméra à 360 degrés. Donc deux objectifs 180 degrés. Exactement, de chaque côté, avec objectif sphérique. Donc, c'est couplé, donc connecté sans fil à son Galaxy. Ça fonctionne d'ailleurs, c'est compatible avec la Galaxy S6. Donc c'est intéressant puisqu'on pourra quand même l'acheter si on a ces modèles-là. Voilà. Et du coup, avec cette connexion entre le smartphone et la caméra, sur le smartphone, on peut apercevoir ce qui est filmé en fait. Donc aussi bien la photo d'ailleurs, ça prend des photos, ou des vidéos à 360 degrés. Oui. Et c'est le smartphone qui se charge d'assembler ensuite les deux images. Et ensuite, on peut partager la vidéo ou la photo directement depuis son smartphone sur les réseaux sociaux qui prennent en charge ces vidéos-là. Donc ça va être YouTube, ça va être Facebook. Google Street View. 1 million de personnes qui regardent, paraît-il, des vidéos 360 sur Facebook, c'est ce que nous a dit Marc Zuckerberg. C'est incroyable. Et je crois qu'il y a je sais pas où sont ces personnes, cela dit. Voilà. Parce que moi, j'en ai pas vu beaucoup des vidéos 360. Bah, tu sais, les gens, s'ils sont dans leur chambre fermée, cloîtrée, etc. Non, mais c'est peut-être effectivement des utilisateurs américains. Enfin bref. Et on voit qu'il y a de plus en plus de contenu en 360 degrés. Qui arrive par des producteurs, on va dire, traditionnel, hein, qui tout font à fait. Des vidéos. Ouais, tout à fait. Et puis d'ailleurs, Mark Zuckerberg, la conférence Samsung, l'a dit, pour lui, le futur de l'interface de Facebook, c'est la réalité virtuelle. Donc il y a des applications qui vont arriver. Ils mettent au point même des algorithmes de streaming de vidéos 360 vraiment sur Facebook. Enfin, il y a un gros focus technologique qui est fait de la part de Facebook sur ce côté-là. On a une question de Lucien qui nous demande sur Twitter, parce que vous pouvez interagir, vous le savez comme d'habitude, hashtag 01live. On est en direct, cet après-midi. Lucien nous demande si on a la date sortie et le prix de cette caméra. Alors la caméra, on ne le sait pas encore. Effectivement, on parle de à peu près du mois d'avril. Le prix, il est encore déterminé, ils sont en train de voir. Mais effectivement, ça va être un gros enjeu puisque ça va démocratiser ou pas l'usage de la vidéo 360. Et puis verra finalement cette vidéo 360. Est-ce que c'est vraiment une tendance de fond? Est-ce que vraiment ça va changer le monde comme a l'air de le dire Zuckerberg, ou bien c'est juste un feu de paille, et puis dans deux Mobile World Congress, on n'en parlera plus. Bon. C'est ça la grosse interrogation. Ouais, tout à fait. Voilà, parce que malgré tout, c'est quand même assez impliquant. Il faut mettre un masque, il faut bien le régler, ça il marche faut aussi brancher. Sur un smartphone comme ça. Tu n'as pas la même expérience, en fait. Ouais. Mais ça peut être sympa. Enfin, franchement, tout dépend du sujet, tout dépend de ce Pour les jeux regarde, vidéo, c'est sûr que c'est quelque chose qui est vraiment, valable et excellent. Après, pour les autres usages, à voir, on verra ce que ça donne. Rappelons que demain, nous aurons un responsable de Samsung qui viendra
nous présenter le Galaxy S7 et nous expliquer un petit peu la stratégie concernant ce nouveau modèle. On lui posera toutes ces questions-là. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci Jean-Sébastien. Tu peux avec nous Jean-Sébastien pour réagir avec le LG G5 que tu as suivi aussi. Oui, tout à fait. Tu as suivi les annonces avec Stéphane Curtelin qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane. Qui représente LG France dans ce Zéro Live. Alors finalement, on parlait à l'instant de la caméra 360 et LG en a une également. Exactement. Voilà, que vous avez apporté Stéphane. Voilà. Qui n'a pas la même forme que celle de Samsung. Voilà, elle est... Alors, je ne vais pas me mettre à comparer directement, mais je vous laisserai faire ce travail que vous faites parfaitement bien. Vous pouvez bien. Le faire si vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, entre est... Coréens en plus, oui, bon, ça vrai, va, il n'y a pas de souci. Donc elle est assez fine, elle fait moins de 4 cm d'épaisseur pour moins de 10 cm de haut. Et voilà, elle se tient dans la main ou elle peut se poser sur un socle. Elle se déclenche par un petit bouton pressoir. Ouais. Elle a tout simplement de la batterie et de la mémoire à l'intérieur qui permet de stocker. Ensuite, on peut piloter ça avec son smartphone pour voir les images ou vidéos que l'on a prises et on décide de télécharger ou pas ce qui nous intéresse. Donc comment ça fonctionne? C'est enregistré sur carte mémoire et c'est streamé simultanément sur le smartphone ou bien le stream n'est pas obligatoire? Le stream n'est pas obligatoire, c'est à la demande, c'est-à-dire que soit on filme d'abord, soit on peut le faire pour vérifier la façon dont c'est en train d'être stocké. Connexion sans fil entre les deux? Exactement. C'est quoi, du Wi-Fi? Alors, direct pour le contrôle, c'est du Bluetooth et Bluetooth. Après, pour récupérer, c'est du Wi-Fi direct. D'accord. Voilà, et l'idée, c'est derrière, pourquoi on est arrivé à cela? C'est vrai que je vous entendais parler de tendance de fond. Oui, etc. Alors, il semblerait qu'il y a un certain constat quand même qui se fasse. Et moi, je suis allé voir sur les Google Trends, par exemple. Et c'est vrai que depuis le mois d'octobre, il semblerait que les internautes français se soient mis à de plus en plus rechercher des vidéos à 360 degrés, puisque le nombre de recherches de vidéos sur le terme vidéo 360 D'accord. a été multiplié par 3 depuis octobre. Donc il y a une demande. Il y a une demande. Et en fait, nous, on trouve cela intéressant. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, comment continuer d'enrichir l'expérience photo-vidéo? Parce qu'on est tous persuadés, on est tous des gros consommateurs de photos et de vidéos, soit de notre propre contenu, soit que l'on récupère. Après, on partage ça sur les réseaux sociaux. Pour aller plus loin dans cette démarche-là et éviter le mode expert, parce que là on décroche un peu un certain nombre d'intérêts, il nous a paru intéressant de jouer plus sur une partie fun, une partie amusante qui peut être, alors dans notre réponse sur le G5 qui commence avec le grand angle qu'on va retrouver ici avec deux appareils photo intégrés au téléphone, en caméra grand angle 135 degrés. Alors on a fait des démos hier et c'est impressionnant. Le grand angle est vraiment impressionnant. Alors, c'est pas de la 360, mais c'est une vraie bonne idée. Voilà. Pour le quotidien, c'est vrai. Donc, on se retrouve tous comme ça. Voilà, on peut enfin prendre une photo avec tout le monde. On n'est pas obligé de se serrer. Voilà, bah c'est sympa. Une des premières utilisations, enrichir le quotidien. La photo, regardez la démo là. On voit la différence. Là, on est en mode 360. Non, en mode panoramique. En mode panoramique. Je crois qu'on va repasser. Voilà. Après, on repasse en mode normal. Et hop là, on voit que c'est pas pareil. Bien sûr, c'est plus étriqué. La qualité est la même. Alors, quel bel homme là. Ah c'est moi, pardon. Alors on est en 16 mégapixels sur l'appareil photo normal et en 8 mégapixels sur le grand angle. Donc, d'accord, donc on perd un peu en définition, voilà. C'est ça? Alors oui, c'est vrai. Souvent le grand angle, on ne zoome pas sur un grand angle puisque par définition on a besoin d'un grand angle qui reste élargi. Donc c'est pour ça que la différence est tout à fait acceptable par rapport à cela. Donc c'est une première façon d'enrichir l'expérience photo. Et l'autre partie, voilà, c'est d'aller encore un peu plus loin avec cette caméra 360. Donc là, cette fois-ci, la photo sur la plage, c'est pas juste en grand angle, c'est « je suis dedans ». On n'est pas obligé d'aller jusqu'au casque virtuel. On peut déjà se faire plaisir, comme on a commencé à l'évoquer, en le revoyant sur son smartphone et en se baladant dans la photo en bougeant le smartphone ou sur son PC ensuite, bien entendu. Et alors, est-ce que vous avez un prix et une date de sortie? Allez-y Stéphane, balancez tout. J'ai une date de sortie contrairement avril. Aux camarades de Samsung. J'ai une date de sortie avril, le prix n'est pas encore fixé. On n'a pas encore. Ce serait quoi, pour la caméra ou pour la pour la caméra. On va dire quoi, entre 100 et 1000 euros. Pour le téléphone, on va être autour des 700 euros. Voilà. Et sur la caméra, j'ai pas encore l'information. Alors néanmoins, je peux vous donner une autre indication, c'est que dans cette thématique de la photo et de la vidéo, on va également sortir un accessoire qui lui est à tiroir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir, je le montre rapidement, l'insérer dans la partie basse du téléphone. C'est pour ranger les cartes bancaires, non pas du tout. Alors là, en l'occurrence, c'est une batterie qui peut être amovible, mais il y aura également un module qu'on appelle module appareil photo qui viendra ajouter des boutons physiques pour se retrouver un peu comme dans une configuration d'un appareil photo compact. On pourra zoomer, dézoomer. Et alors, on a des images à Florian. Donc, un meilleur appareil photo. C'est ce qu'on a filmé hier. Et ça, ce sera un peu moins de 100 euros. Voilà, c'est-à-dire que c'est un module qui permet de tenir d'une main, en fait, l'appareil
C'est pas mal, oui. C'est pas mal du tout. Et on a une petite molette aussi qui permet de zoomer ou de dézoomer. Exactement. En fait, dans la... Non, c'est pas ça. Voilà. Là, on voit tous les autres accessoires, mais c'est pas grave. Comme ça, vous voyez que il y a tout cet écosystème. Ça, c'est le module audio. Il y a tout cet écosystème d'accessoires, parce que là, on a parlé de la module. Caméra 360. Voilà, on a le module. Ça, ça doit être le module audio. Ça, on voit comment on met la batterie. Batterie supplémentaire. Ouais. Et après, voilà, on retrouve. Ah, voilà. Et là, c'est pour la photo. Voilà. Donc, ça donne une prise en main plus aisée. On retrouve des boutons physiques qui d'habitude étaient devenus virtuels sur son écran, qui permettent une meilleure activité, une meilleure prise en main de son téléphone qui ressemble de plus en plus à un compact. Alors on a vu aussi une petite coque qui permet de protéger le téléphone, mais malgré tout d'interagir même quand la coque est refermée. Oui, ça, on voit par un système de transparence et elle reste interactive. On peut pointer du doigt. Alors il y a aussi cette stratégie donc, de l'écosystème de l'accessoire. Hein. C'est assez étonnant, Jean-Sébastien, cette stratégie de la part d'LG. C'est vrai qu'on avait c'est assez inédit dans le monde de la téléphonie mobile. Oui, on avait plus l'habitude de voir, ne serait-ce que pouvoir enlever sa batterie sur les téléphones haut de gamme, c'est devenu maintenant impossible. Et de voir ce côté modulaire, c'est vraiment étonnant. Ça peut rapprocher parfois de certains projets qu'on a vus, les projets ARA, vous savez, ou Google qui fait ça, où on peut construire son téléphone à partir de plusieurs modules différents. Bon, c'est un peu fumeux ce truc-là. Ça fait des années qu'on en parle. Tout à fait. Voilà. Et on n'a jamais rien vu. Mais c'est étonnant de voir arriver les constructeurs un peu plus sérieux, on va dire, avec des possibilités, on a besoin d'un meilleur appareil photo, on a besoin d'un meilleur son, on peut rajouter là comme sur le G5 un module fait avec Bang & Olufsen. Donc c'est vraiment étonnant de voir ça, c'est une bonne stratégie je trouve. Et le prix, on l'a dit, pour un module? Le prix du module que j'ai, le smartphone sera autour des 700€. D'accord. Le module appareil photo qui vient se clipser sera un peu moins de 100€. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une offre de lancement du 18 mars au 15 avril, je fais un peu la promo, j'en profite, qui sera offerte. Donc le module photo sera offert. Voilà. Pour le module audio. Ça, Non, ça c'est la caméra 360, d'accord. C'est une autre histoire. Mais le module photo avec le grip, avec les boutons physiques sera offert. Et le module audio, vous avez un prix? Audio non, développé avec BO. Avec Bang & Olufsen. Avec BO. Ouais. Alors il y a autre chose dont il faut qu'on parle. On revient à la vidéo immersive. C'est le masque que vous avez lancé à votre tour, Samsung Alcien, vous lancez à votre tour un petit masque de réalité virtuelle vidéo 360. Oui, ça nous a paru intéressant d'aller au bout de la démarche, c'est-à-dire que là on se parle de captation en 360 degrés et ceux qui voudront aller au bout vraiment de la démarche. Je l'ai essayé ce matin, moi. Ouais. Il y avait une petite démo de roller coaster. Alors, rappelons que c'était juste après le petit déjeuner. Oui, exactement, donc ça va très mal se terminer. C'est une information très importante. Si d'un coup vous voyez que votre écran se trouble, c'est logique. Non, plaisante. Tu t'es fait un roller coaster. Ça c'est ce que je voyais, mais en étant immergé. C'est-à-dire que moi, quand je lève les yeux au ciel, je vois le ciel, etc. Alors c'est vraiment bien. Bon, c'est pas la première fois que je teste ce genre de choses. Non, parce que ça existe depuis un moment, mais... L'effet là, moi j'ai bien aimé la définition d'image, qui était vraiment au rendez-vous. C'était très net. Il a une particularité, ce masque, il est assez ouvert, on le voit, il est très fin, très étroit, et du coup... T'es très classe là, enfin, si je puis me permettre, écoute, c'est peut-être le seul mot qui me vient à l'esprit, tu es très classe, voilà, c'est magnifique. J'ai fait ce qu'on me demandait, moi, tu sais, je joue le jeu quand il faut jouer le jeu. Très bien le jeu, quel comédien. On va demander à Florian d'arrêter immédiatement ces images. Non, j'adore, ça suffit. Ça va partir dans les dossiers de 01net TV. Qu'on sécurise avec des clés 128 bits, pour pas qu'on puisse y avoir accès. Et donc je termine, c'est juste pour dire qu'on est un petit peu moins immergé dans le spectacle. Alors il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est qu'on reste un peu en contact avec la vie réelle. Si quelqu'un arrive, je vais voir son ombre comme ça sur le côté. Je verrai ses pieds. L'inconvénient peut-être, c'est que du coup, je ne suis pas complètement plongé dans le truc, mais au moins, je ne deviens pas fou avec ce masque. Il sort quand, ce masque? Alors le masque sort en avril aussi. On n'a pas de prix? Pas encore. D'accord. Et il se connecte avec un fil au smartphone. Oui, voilà, c'est d'accord. Ça. Voilà. Pourquoi l'USB-C? On voyait tout à l'heure, je rebondis sur tout à l'heure les explications de Jean-Sébastien. Oui, c'est le troisième volet de notre débat. Pourquoi l'USB-C? Non, mais pourquoi? Alors, Samsung reste toujours sur cette prise micro-USB. Hein. Vous avez choisi de prendre la prise du futur, l'USB-C, c'est ça? Alors, il nous semble que c'est la prise du futur, la nouvelle tendance qui s'inscrit pour ce type d'appareil, pour connecter à son chargeur et des choses comme ça. Donc, c'est un choix, c'est un parti pris sur lequel on s'engage en effet. D'accord. On a pas mal de questions. Est-ce que d'autres constructeurs qu'LG vont pouvoir sortir des accessoires qui seraient compatibles avec votre système? Alors oui, c'est possible. Et j'en profite pour dire que par exemple la caméra 360 degrés est compatible, elle est ouverte. Ce n'est pas un format propriétaire. Les seuls formats entre guillemets propriétaires sont ceux qui viennent s'insérer dans la partie basse du téléphone. D'accord. Avec le mode de tiroir.
Après, tout ce qui est extérieur, que ce soit le casque, la caméra 360 ou la future caméra sportive, seront très ouvertes. Au niveau... Mais très ouvert, ça ne marchera qu'avec le G5, non. En revanche. Non, c'est possible non, avec n'importe parce que quel... c'est justement la question des ZIT qu'on a. Est-ce qu'on pourra, par exemple, se servir de cette caméra sur un autre smartphone, oui. Sur un iPhone, par exemple? Oui, tout à fait. Ah, ça, c'est voilà. Une très bonne nouvelle. Oui, c'est complètement ouvert. Et Donc, on téléchargera une appli sur son smartphone, oui, c'est ça? C'est ça. D'accord. Voilà. Et ça sera développé dans les mois qui viennent? Exactement. Voilà, ça va être en parallèle du lancement du produit. Et dans les nouveautés également, puisque je viens de mentionner aussi la caméra sportive. La caméra sportive embarquera une carte SIM qui lui permettra du coup de faire du streaming live, c'est-à-dire que je suis en train de me filmer à ski, je pourrai diffuser en live ma performance directement sur le net. Enfin performance ou non performance. Ou non performance en fonction du résultat. Si c'est vous ou moi. Moi ça sera une non performance, mais vous j'imagine que ça sera plutôt pas mal. On peut espérer. Parfait. Je crois qu'on a fait le tour concernant le G5, on a d'autres questions. Juste une question très rapidement, est-ce que d'autres marques pourraient développer des accessoires pour le G5? Alors c'est la question que j'ai posée il y a 2 minutes. Voilà, donc tout je vous la repose. Donc voilà les débuts de l'Alzheimer en fait, ça commence comme ça. Si vous voulez réaliser un documentaire, on va dire scientifique, merci, vous on va venez passer de la vivre suite. Cette information en direct. J'étais en train, bravo, pendant Jérôme. Que tu parlais, de m'occuper oui, je sais, de faire venir notre prochain invité. Tiens, il y a une question, la question de Yoni qui nous dit pourquoi Apple n'est pas présent dans ce salon. C'est une bonne question qui revient. C'est une très bonne question. Qui revient tous les ans malgré tout. Alors je pense que Stéphane n'a pas la réponse. Je pense que Apple a toujours été un peu en dehors de ces salons depuis des années, même à l'époque de Steve Jobs. Bien sûr. Il voulait vraiment se démarquer et créer l'événement. Il y avait un salon il y a très longtemps qui s'appelait Macworld aux États-Unis et en France. Au début ils venaient, après ils venaient plus, après le salon est mort et maintenant ils viennent plus nulle part. Vous comprenez, Apple ne se mélange pas, c'est comme ça. Et à noter qu'Apple pourrait annoncer un nouvel iPhone donc de petite taille, un nouvel iPhone 5 le 15 mars. C'est véritablement la date qui circule actuellement et on fera évidemment une soirée spéciale à cette occasion. Voilà, peut-être qu'ils viendront quand ça ira très très mal et qu'ils ne seront plus au sommet de la vague. Là, on les voit revenir les constructeurs peut-être, dans ce cas-là. Peut-être. Merci beaucoup Stéphane Curtelin. Et bon vent pour ce LG G5 qu'on attend avec impatience au Labo 01net. Parce que véritablement, au niveau photo et performance, il a l'air excellent. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Avant d'accueillir notre invité pour parler peut-être des smartphones Orange, tu as vu hier un produit sympa. Oui, j'ai vu. Alors j'étais chez Huawei, j'ai assisté à la conférence de presse de Huawei, qui a présenté une tablette hybride, moitié PC, moitié tablette. Oui. Mais je te propose d'en parler tout à l'heure. D'accord. Hein, ben voilà. Je fais un petit teasing comme ça. C'est un beau petit teasing. Regardez-la, elle est superbe. Elle est très sympa, je vous dis tout dans un instant. Oh là 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 là. Très bien. Bon. En attendant, on va continuer à parler de smartphone. Soyez logiques. Bonjour Bernard Triat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, on devine très rapidement pour quelle société vous travaillez. Je ne donne pas d'indice. Ouais. Je ne donne pas d'indice, mais il y a quand même... Hein, voilà. Au jeu des 7 erreurs, ça peut être jouable. C'est un petit carré orange, je effectivement. Pas me cacher, non. Bernard, vous êtes avec nous parce qu'en en fait, il y a une tendance, aujourd'hui chez Orange, de sortir ses téléphones sous sa propre marque. D'ailleurs, on avait eu de très bonnes surprises au Labo 01net avec le précédent smartphone Orange qui est resté, je crois, en termes d'autonomie, l'un des meilleurs. Ils s'en sortent très bien, effectivement, aux tests d'endurance. Et d'homogénéité, c'est-à-dire que c'est un téléphone qui n'était pas très cher, mais qui avait des spécificités très homogènes. Mmh. Et là, à l'occasion de ce Mobile World Congress, vous vous apprêtez à lancer, justement, un nouveau smartphone, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, comme vous le dites, cette gamme de téléphones sur la marque Orange, ça marche très bien. Et en fait, on en sort de nouveau. Et là, c'est l'occasion d'annoncer le lancement d'un nouveau téléphone, qui c'est celui-là. Voilà. Il s'appelle, Il s'appelle comment ? Neva 80. Le Neva 80. Et en fait, la particularité de ce téléphone, c'est que c'est le premier téléphone sous la marque Orange qui a l'LTE catégorie 6. Ça veut dire que c'est une nouvelle version de LTE qui peut théoriquement aller jusqu'à 300 mégabits. Ah oui, donc c'est prêt pour les mises à jour des réseaux chez Orange dans les mois qui viennent. Et ensuite, il présente deux caractéristiques importantes. C'est la voix sur LTE. Et la voix sur Wi-Fi. Alors LTE c'est la 4G pour schématiser. Ouais. Alors c'est quoi cette voix sur la 4G? Parce qu'on en entend parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne téléphone pas par la 4G? Eh ben non. Quand tu as un téléphone 4G, quand tu passes un coup de fil, quand tu surfes sur Internet en 4G, mais quand tu passes un coup de fil, la 4G se coupe et tu passes sur le réseau 2G. Ah, on redescend. Ou 3G peut-être. D'accord. 3G plutôt. Voilà, 3G. 3G et c'est pour ça que la plupart du temps, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu passes un coup de fil, tu ne peux plus surfer sur Internet. Oui, bien sûr. Tu n'es plus en 4G parce que ton téléphone est accaparé par le réseau voix.
D'accord. C'est ça qui va changer. En voilà, fait. Précisément dans, dans notre tendance d'essayer d'améliorer la qualité des communications de nos clients, ouais. C'est de lancer la voix sur LTE qui permettra, lorsqu'on est en 4G en train de surfer à pleine vitesse, pouvoir recevoir un appel et continuer à surfer et à parler en même temps, sans avoir cet impact que vous évoquez tout à l'heure sur la vitesse. Autre bénéfice, en fait, l'acheminement de l'appel sera beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que c'est presque instantané, tout c'est à ça fait. Aujourd'hui, parfois, il pouvait y avoir des délais oui. Pour créer l'appel, surtout qu'il y a cette bascule que vous évoquez tout à l'heure. Maintenant, ça va être beaucoup plus rapide. Comme dans les séries, comme tu disais tout à l'heure. Vous avez remarqué dans les séries, ils appellent quelqu'un, hop là tout de suite ils oui, ont oui, bien sûr, moi, j'adore. Dis, mais c'est pas possible. Il y a qu'au cinéma qu'on voit ça. Et bien, parce qu'ils ont l'appel 4G. Ah ouais, sûrement, c'est pour ouais. ça. Depuis et les années 60. Sans oublier la voix HD aussi qu'on a lancée depuis un moment sur la plupart de nos terminaux et que là, avec la voix sur LTE, bien sûr, on continue à garder cette voix HD qui nous tient à cœur. Voilà, on va parler bien en face du micro pour qu'on vous entende bien. D'accord. Voilà, c'est parfait. Alors, ce n'est pas une technologie qui est propre à Orange. Ce téléphone sera compatible avec cette techno. Tout à fait. Mais d'autres téléphones sont compatibles. Par exemple, l'iPhone 6S tout à fait. Est compatible. Oui, et en fait, il y a un pays comme la Roumanie qui a déjà lancé la voix sur LTE. Et du oui. coup, ce téléphone il peut marcher en Roumanie en voix sur LTE. Oui. Du coup, c'est un nouveau terminal. C'est le premier terminal de marque Orange qui intègre cette technologie. Et maintenant, les pays vont commencer à déployer cette technologie sur les réseaux et grâce à ce terminal pourront la commercialiser. Et on peut imaginer que ça va arriver chez Orange en France assez oui, rapidement. Il y a les pays européens qui travaillent pour en arriver en courant 2016, certains peut-être début 2017, mais c'est en cours en fait. Et je sais qu'il y a déjà des expérimentations en France, hein, des clients testent cette technologie et je pense qu'Orange va monter en puissance dans les semaines et les mois qui viennent. Mmh. On n'a pas une idée du prix de ce téléphone? Alors, après les prix, ça reste, chaque pays fait oui. son offre, mais normalement, on cible des prix en dessous des 200 euros. En dessous de 200 euros. D'accord. Pour un téléphone, malgré tout, de très joli, hein, bien fini, il est très fin, sympa, léger. Très léger. Après, on verra pays par pays, hein, mais c'est la cible. D'accord. Et ça devrait arriver bientôt en France, ce téléphone? Ça, je ne sais pas. La date de lancement en France, vu qu'il y a toute la question de réseau qui doit être gérée en même temps, c'est pas qu'une question de terminal, c'est une question de préparation de réseau, je ne peux pas vous dire. Mais ce sera finalement le smartphone le mieux adapté à la 4G. Oui, en fait, des téléphones de marque Orange, en effet, c'est le premium qu'on aura en ce moment-là. Merci. Juste encore, on a une petite question de Yoni sur Twitter qui nous demande quel est. Alors vous y avez déjà partiellement répondu, mais quel est le but d'Orange en créant sa propre marque de smartphone? L'idée de la marque des téléphones de marque Orange, il y a quatre objectifs principaux. D'une, c'est pouvoir proposer des téléphones à tous nos clients, quel que soit le segment, avec des prix très intéressants. Ensuite, la question, c'est aussi d'assurer qu'il y a une expérience homogène et riche pour tous les clients. Pour ceux qui commencent à découvrir, mmh. c'est son premier smartphone, c'est sa première mmh. utilisation de la 4G, on les accompagne lors de l'installation, lors de l'usage. Pour ceux qui ne connaissent pas un écran tactile, on leur explique comment ça fonctionne. Du coup, ça permet vraiment à n'importe quel client de commencer à utiliser le smartphone. Et cette ouais. expérience... C'est rassurant peut-être, pour certains oui, clients, oui, c'est très rassurant. Ouais. Et après, ouais. quelqu'un qui est déjà expert, on lui demande des vues, est-ce que vous connaissez déjà? S'il connaît, on lui laisse faire comme il fait d'habitude. On précise que c'est ZTE, ouais, hein, c'est ZTE qui fabrique ça. Ouais. Oui, en fait, voilà. Partenaire d'Orange depuis un moment d'ailleurs. Oui, hein. En fait, on a plusieurs partenaires. Et dans les téléphones de la marque Orange, il n'y a pas que ZTE, évidemment. Il y a plein de partenaires qui ouais. nous permettent de lancer des différents modèles. Et vous suivez ZTE dans la fabrication et vous imposez votre cahier des charges à ZTE pour fabriquer ce téléphone. Il y a surtout toute une phase de validation très importante d'accord. qui est assurée par Orange. Et ça, c'est une des choses aussi qu'on propose, une des promesses de cette device ouais. de la marque Orange, c'est qu'on assure une expérience client, mais une qualité aussi. D'accord. Ça veut dire que les clients, c'est un équipement d'Orange, ils peuvent aller en boutique s'ils rencontrent un problème et ils ont le support d'Orange derrière. Merci beaucoup, merci. Bernard. Merci à vous. Et on va suivre l'arrivée de ce téléphone en France dans les semaines ou les mois qui viennent. Absolument. Bon. Alors, tu veux tout savoir ah ben sur oui. la tablette de Huawei? Attends, oui, puisque Huawei donc, a fait une conférence, oui. tu y étais hier. On croyait que le P9 allait être annoncé. Pas de smartphone. Pas de smartphone. Hein, zéro mais smartphone. Tablette. Oui, et c'est la première tablette de ce genre, hein, comme ça, chez Huawei. Donc, regardez ça va vous faire penser inévitablement à quelque chose qu'on connaît déjà, qui s'appelle la Surface Pro de Microsoft. Et oui. Et oui. Mais alors j'ai l'impression que l'écran est un petit peu plus petit, non? Alors c'est du 12 pouces. C'est du 12 pouces. D'accord. Avec, bon, on nous a expliqué qu'évidemment, le traitement des couleurs, le contraste, etc. était formidable. Elle est très légère, 640 grammes, très fine, moins de 7 mm. Autonomie annoncée, une dizaine d'heures.
Et puis la particularité, eh bien, c'est tout un ensemble d'accessoires, de fonctions très pratiques et d'accessoires. Alors par exemple, on le voit, l'étui dans lequel est intégré le clavier, eh bien, peut venir entièrement recouvrir l'appareil. Donc tu as vraiment ton bureau, enfin ton truc très compact. Ton truc très compact. Ton truc très compact. Ouais, c'est... Ah bah après chacun a son truc compact ou pas. Ça, c'est, le petit truc compact que tu vois sur la droite, qui a également son étui, c'est une espèce de hub externe qui va te permettre de rajouter des ports Ethernet, ports USB, etc. Tout cela dans un emballage très luxueux. Là-dedans, tu peux également ranger le stylet. Le stylet qui a, alors ça va plaire à beaucoup de gens en entreprise, qui a un pointeur laser intégré. Ouais. Et puis, c'est ça qui est assez séduisant, c'est qu'au-delà des performances, bon, elle est équipée de du dernier processeur Intel M7, enfin M3, M5 ou M7, suivant les versions. Au-delà de ça, il y a tout un des tas de petits gadgets, enfin pas gadgets, mais des fonctions très pratiques, des petits accessoires et des astuces, on va dire. Le clavier est résistant aux éclaboussures, le dock déporté, je l'ai dit, l'étui qui permet d'avoir deux positions d'écran, etc. D'accord. Bon, après, voilà, ça reste... Tu vois, je l'ai essayé un petit peu. Bon, je trouve que le point faible de ces produits, c'est le clavier, qui n'est pas très rigide, pas très confortable. Ouais. C'est moins confortable qu'un vrai laptop quand on l'a sur les genoux. Elle est bien finie, en tout cas. Hein. Très, très, c'est un très joli produit. Capteur d'empreinte digitale sur le côté aussi. Ça, on n'a jamais vu ça sur une tablette. Elle coûte un bras. Enfin, elle est malgré tout dans les... Ça commence à 800 euros, 1800 euros, sans les accessoires. Et en fait, si vous prenez la version de base à 800 euros, que vous rajoutez tous les accessoires, le stylet, le clavier, le dock, etc., on est à plus de 1000 euros, 1100 euros environ. Et on n'a que 128 gigas de stockage. Et c'est la version de base, à fait. Et avec un processeur... Alors, ça plaira sûrement à des pros, à des étudiants également, mais il faut y mettre le prix, quoi. Et ça va être compliqué pour Huawei de se battre face à des Microsoft, et puis il existe d'autres appareils comme chez d'autres constructeurs. Mais c'est intéressant de voir que Huawei, donc constructeur chinois, arrive sur ce marché où il n'était pas présent, et il arrive par le haut, comme on dit, c'est-à-dire avec un produit haut de gamme. Il n'essaye pas de casser le prix, au contraire, il se positionne très haut en essayant de vanter les mérites, les qualités, le design, les fonctionnalités de son appareil. Jérôme, il est un peu plus de 13h30, il est 13h31. Petite question d'Audrey qui nous dit, il s'est passé quoi chez Sony ce matin? Pas mal de choses. Ouais. On en parle demain à 13h, ici même sur le stand Orange pour notre deuxième live depuis Barcelone et le Mobile World Congress. Il y a eu pas mal de nouveautés chez Sony et nous aurons d'ailleurs un représentant de Sony avec Stéphanie Molinier. Voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais on fera le point en détail demain pour les annonces Sony. Voilà, demain Sony, Samsung aussi, on aura un porte-parole de Samsung qui sera avec nous pour parler du Galaxy S7. Merci de nous avoir suivis sur 01 Live en direct depuis Barcelone sur le stand d'Orange ici au Mobile World Congress édition 2016. Ouais, merci à toute l'équipe d'Orange, le staff technique d'Orange qui nous a tellement gentiment accueilli ici, c'est vraiment un plaisir. Merci aussi à Jean-David Duhart, à Florian Brofeton ici à Barcelone. Et puis on salue aussi Pierre Tulin qui est à Paris, qui a réglé les derniers petits détails pour que tout fonctionne. Et qui assurait le backup. Voilà. Donc rendez-vous demain, même heure, même endroit, 13h, une seule adresse, www.01tv.com. Alors on dit hola pour dire au revoir, mais pour dire bonjour et pour dire au revoir, on dit quoi? Arrivederci? Non. C'est adios? Adios. Ah ben voilà. Adios. Donc adios. Merci Florian. Et à demain. Florian et JD, ils sont... Ah ouais, mais ils savent tout faire. Ils sont au top. Hein. Non, ils parlent même espagnol. Alors que nous, on est nuls. Ouais. Ben voilà, c'est comme ça. À demain. Bonne journée. Salut.